Delphine Merio. Je suis sortie de l'ENSI il y a un peu moins d'un an. Donc j'ai passé 6 ans à l'ENSI et en fait actuellement je travaille sur une thématique générale que j'appelle matériaux fantômes, qui est basée sur vraiment l'utilisation des déchets artisanaux ou industriels qui ne sont pas utilisés aujourd'hui, ou des matières qui ne sont mal mises à profit dans les étapes semi-finies. Et j'ai débuté il y a 2 ans un projet avec Sybille Berger sur notamment les chutes de cuir qui ne sont pas utilisées dans l'artisanat d'exception et dans les grandes maisons comme Hermès. Et tout le principe, c'était d'associer en fait ces matériaux à des nouvelles technologies. C'est-à-dire comment, en créant un bloc de cuir en couche, après utiliser le fraisage numérique pour créer des objets à partir de cette nouvelle matière. Du coup, j'ai voulu faire ce workshop parce que je m'intéresse à aujourd'hui comment les savoir-faire peuvent travailler d'un commun accord, ou ce que peuvent apporter les nouvelles technologies au savoir-faire. Donc comment, selon différents corps d'artisanat, les nouvelles technologies peuvent s'insérer et s'immiscer dans les processus actuels des artisans, et qu'est-ce que ça peut apporter en fait aujourd'hui par rapport à leur savoir-faire. Ce qui me surprend plus d'un point de vue général par rapport à la dynamique du groupe, c'est vrai que je ne m'apercevais pas qu'aujourd'hui ces nouvelles technologies, que ce soit même l'impression 3D ou le laser, ne soient pas accessibles, ou en tout cas les gens aient du mal plus à s'imaginer comment on peut les employer aujourd'hui. Même quand on parle d'un laps de temps où des gens qui sont sortis il y a 3 ans par rapport à moi qui sont sortis il y a presque 1 an. Donc l'écart qui s'est joué en fait en si peu de temps. J'ai voulu faire ce workshop, c'est aussi de rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes utilisations de ces machines que moi, ou qui ont des savoir-faire autres, et du coup c'est très riche toujours de voir des gens qui ont plus une approche plastique ou une approche artistique ou une approche architecturale de ces techniques-là pour envisager plutôt que d'envisager des objets, et de voir maintenant comment aujourd'hui on arrive à mettre en place nos différentes compétences pour réaliser un projet. De rien.